Good morgen, allez, Iden, et tu seras aujourd'hui le Nishmat Yaakov ben Aïcha, Richard Aaron ben Fortuné Mazal, ainsi que le Rfouat, Hanalea ben Kitel Devora, Sarah ben Mechama, Betor Shachol Israël, et si vous souhaitez, vous aussi des prochaines études, nous sommes contactés à la 5e minute éternelle. Nous étudions Masechet Psachim, Perek Yud, Mishnah Aleph. Arve Psachim Samouch la Mincha, Lo Yochal Adam Ad Shetershach, Vafelu Anisha ben Israël, Lo Yochal Ad Sheyasev, Velo Yifretou Lo, Marba Kosot Shel Yaim, Vafelu Min Hatamchouy. On commence dans ce chapitre à traiter des lois du Seder, différentes halakhot sur le Seder, on va voir toute la... D'accord ? Jusqu'à la fin du chapitre. Et on commence déjà depuis avant d'arriver au Seder, en fait, 3 heures avant l'entrée de la fête, à la 10e heure, c'est-à-dire qu'on a passé à la 9e heure de... C'est-à-dire, j'explique d'abord c'est quoi une heure. Vous prenez depuis le lever du jour jusqu'au coucher du soleil, ou la sortie des 3 étoiles, et ça s'appelle 12 heures, toujours, quelles que soient les heures solaires, et quelles que soient les heures par rapport les heures concrètes, les heures de la montre, on considère ça comme 12 heures solaires. La moitié du jour, c'est lorsque le soleil il est au zénith, et donc on a 6 heures le matin, 6 heures l'après-midi. Vous prenez maintenant, donc à l'entrée de la, dans le dernier quart de la journée, depuis qu'on entre dans la 10e heure, c'est-à-dire qu'on a passé 9 heures pleines et 1 minute. Alors on entre dans la 10e heure, la Mishnah m'enseigne « Arve Psachim Samouch la Mincha ». La veille de Pessah, à l'approche de Mincha, c'est-à-dire à l'approche du Korban, du Tamid Shel Ben Arbaim qu'on faisait au Beth Amikdash, l'équivalent, il nous dit le Baal Tanoura, un petit peu moins, l'équivalent de une demi-heure. Une demi-heure avant l'heure de Mincha, la Mincha, le Korban Tamid, on faisait à 9h30. Alors la Mishnah me dit, bien, Lo Yochal Adam Ad Shetershach. L'homme n'aura plus le droit de manger jusqu'à qu'il fasse nuit. En deux mots, depuis l'après-midi de Pessah, dès qu'arrive la mi-après-midi, donc le dernier quart de la journée, interdit de manger, de s'installer manger du pain, il n'en est plus question. La matzah, il n'en est de toute façon pas question. Le pain, depuis la 10e heure du matin, depuis la 3e heure du matin, on l'avait déjà brûlé. Le chala matzah, on n'a pas le droit d'en manger toute la journée pour pouvoir la manger le soir, bété avon. En fait, même si toutefois il y aurait des gâteaux de la matzah achira, ce qu'on appelle, eh ben on n'aura pas le droit de s'installer manger un repas. En l'occurrence, cette année, c'est ce qui s'était passé avec la veille de Pessah, avec la veille de Pessah qui était tombée dans le Shabbat, il fallait pourtant faire la soda shlichit. Chacun a eu ses conseils à proposer pour pouvoir, en tant que mal, manger quelque chose. D'accord ? Donc, Lo Yochal Adam Sam'at Shetershach, un homme ne pourra pas manger jusqu'à la tombée de la nuit. Pourquoi? Pour quelle raison? Le Baal Tanoura nous dit, Kedesh Yochal Matzah l'été Avon, Mishum Hidur Mitzvah. Afin d'être Mehader la Mitzvah, de faire la Mitzvah, de manger la Matzah avec entrain et zèle, la manger avec appétit, avec joie. Donc, il faut que tu aies faim. Si tu es gavé, tu vas plus avoir tellement envie de manger, ça va pas être bien. D'accord? Maintenant, la Mishnah continue en me disant, Vafilo Ani Shebe Israël. Même un pauvre du peuple d'Israël, Lo Yochal Ad Sheyasev, sache que le soir, il n'aura pas le droit de manger jusqu'à qu'il va s'accouder. Soit, c'est la fameuse histoire de la Eseva, boire en s'accoudant, manger la matzah en s'accoudant. S'accouder, c'est manger comme riche de l'époque. Ils étaient assis, ils s'asseyaient par terre avec des petites tables, et puis ils se mettaient sur le côté. D'accord? Imaginez un salon arabe à l'ancienne, on est assis très bas, et on mange par terre, de manière accoudée, sur le côté, en grande détente. La Mishnah vient m'enseigner, sache que maintenant le soir de Pessah, tout le monde doit le faire, même un pauvre. Même si concrètement, le pauvre n'a même pas les moyens pour pouvoir avoir un petit coussin agréable pour le faire, malgré tout, il doit se casser la tête pour manger en position accoudée. Ok? En signe de chérout, de liberté. Velo yifretou lo me'arba'a kosot shel yaïn. Et on ne lui diminuera pas des 4 verres de vin, des 4 coupes de vin, même si c'est un pauvre qui se nourrit tous les jours du tamroui. On va faire un petit peu d'ordre. D'abord, on va expliquer juste les pauvres. Il y a plusieurs niveaux de pauvres. Il y a les pauvres qui ont tant bien que mal de quoi, qui ont une petite entrée quand même, de quoi acheter à manger, mais ils n'ont pas d'extra. Donc ils entrent dans la caisse des pauvres, et on leur donne la coupa de daka du quartier. Leur donne une petite subvention tous les mois, on les aide. Mais aussi, les restos du cœur, c'est le tamchoui.
des gens qui n'ont pas du tout de quoi manger, même pas un repas. Et donc il devait partir à la soupe publique, je ne sais pas comment ça s'appelle en français, ils partaient comme les Restos du Cœur, quoi, où là-bas on leur proposait, on leur donnait à manger. Tous ceux qui étaient pauvres, ils mangeaient. C'est les plus pauvres des pauvres, ça. Et la Mishnah m'enseigne, ben, sache que même eux, ils ont le devoir de prendre les quatre coupes de vin. Soit les quatre coupes de vin d'avant, on connaissait l'histoire. Les amis m'ont instauré de boire le soir de Pessah 4 verres de vin. Au fur et à mesure, comme on le verra durant tout au long du chapitre, au fur et à mesure qu'on évolue dans la Haggadah. Et la Mishnah vient m'enseigner, sache que maintenant, ce devoir-là, le devoir de manger en s'accoudant, et le devoir de consommer les 4 verres de vin, ça incombe à tout le monde. Même à un pauvre, et si le pauvre, il n'a pas de quoi boire, de quoi acheter, de quoi... Il faudra lui fournir le vin. On lui devra lui fournir le vin. Il y en a même qui ajoutent que même s'il devra même vendre le peu de choses qu'il aurait, éventuellement, pour pouvoir obtenir ces 4 coupes de vin, tellement que c'est important de les boire. Les 4 verres de vin, maintenant, on les boit en souvenir des 4, les Shonot, Shel Geoula, les 4 expressions lorsque Hachem a voulu délivrer le peuple d'Israël. Il annonça à Moshe Rabbeinu, Veotzeti, Veitzalti, Vegalti, Velakarti, Etrem. Et donc ça fait 4 termes de Geoula. Dans 5 minutes de ce mois-ci, on en parle. Malheureusement, il n'est pas arrivé chez tous les Français pour le moment. Après un mois d'envoi, je suis très triste, mais bon. Pour revenir à notre sujet, donc il y a 4 évolutions, 4 étapes de la Geoula en rapport avec les 4 coupes de vin. Et voilà, donc c'est les 4 coupes de vin. Il faudra que même les pauvres les obtiennent. Et voilà. C'est tout. On a fini la Mishnah. C'est tout pour aujourd'hui. C'est une journée pleine de Hatzlacha. Kol tout. Salam.